Bonjour à tous et bienvenue sur apprendresuédois.com. Sana, bonjour. Bonjour. Sana, nous allons parler des 10 artistes les plus hot du moment, les plus hit du moment. Varma, artiste. Inte Varma. Pieta. Des artistes de musique, donc, qu'il faut connaître si vous allez en Suède ou que vous voulez simplement apprendre. Vous pouvez apprendre la langue avec des artistes. Hieta som. Hieta potentis. 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 Oui, alors, on commence, Sana. 10 artistes qui sont dans le vent actuellement et qui sont suédois. Tuvelu. Tuvelu qui vient de sortir un album. Vous connaissez sûrement Tuvelu qui a été produit notamment par Max Martin. Max Martin, qui est un énorme producteur et auteur-compositeur suédois, hein, qui a produit Britney Spears, qui a produit Backstreet Boys, qui a produit Katy Perry, qui a produit Pink, qui a produit quasiment 90% des chansons qu'on entend à la radio parfois, hein, c'est ce qu'on a l'impression. Donc Max Martin a produit aussi notamment Tuvelu. Et Tuvelu, donc, a été nominé au Grammy pour... la nomination artiste de l'année. Pas mal, hein. Découvrez Tuvelu, il y a un petit jingle qui passe en arrière-plan. Vous allez sûrement reconnaître. Alors. Zara Larsson. Zara Larsson est née à Solna. Donc si vous habitez à Stockholm, vous saurez plus ou moins où c'est. Et donc c'est une chanteuse suédoise qui a gagné une émission de télé, hein, TV Firas Talang, avec la chanson My Heart Will Go On. Et donc, c'est une artiste suédoise. Hit, 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 hit. Dites-nous ce que vous en pensez, hein, Zara Larsson. Alors, une autre artiste, Anna. Miriam Bryant. Alors, il y a beaucoup de filles, hein. Miriam Bryant. Finns många kvinnor. Det är allt som finns på listan. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Miriam Bryant, de spécial? Elle a été aussi nominée au Grammy. Et elle a sorti des chansons super comme Black Car, Push Play. Un peu plus vieux, elle a sorti Raised in Rain, Alt Jobbehöver. Donc on n'a pas ici que des artistes qui ne chantent strictement qu'en suédois, mais la grosse majorité d'entre eux ont en tout cas des chansons suédoises. Et pour ceux qui n'en ont pas, c'est quand même intéressant de savoir qu'ils sont suédois. Parce que c'est la toile suédoise qui se tisse, hein, qui se tisse sur le monde. Alors, une autre artiste. Robin. Robin. Alors ça, vous la connaissez sûrement. Difficile de ne pas connaître Robin, parce qu'elle représente vraiment la chanson pop, électropop, dans le vent, en Suède. C'est le cas depuis 2005, quelque chose comme ça. Où elle est là depuis très longtemps. Hein. Et donc, Robin habite à Stockholm. Vous pourrez la croiser. Si vous marchez suffisamment dans les rues de Stockholm, vous pourrez voir Robin. Ah, c'est Robin. Donc, ça, c'est bien. Alors, un autre artiste. Cette fois-ci, c'est un mâle. Incroyable. Un homme dans la liste, Sana. Incroyable. Tu me demandes qui a fait la liste. Avicii. Avicii, eh ben oui, Avicii est suédois. Alors Avicii, il a sorti une chanson que j'ai jamais entendue, comme Wake Me Up. Il a sorti l'album True. J'ai jamais entendu, moi, Avicii. Je connais pas. Donc apparemment c'est un DJ très peu connu. Il passe très peu à la radio, hein, Avicii. Très peu à la radio. Ça c'est dommage. Peut-être qu'il passera plus à la radio dans les années à venir, mais actuellement il est pas dans le vent. Très peu à la radio. Alors Swedish House Mafia. Yeah. Ça aussi, c'est un groupe suédois, comme vous pouvez sûrement le déduire du nom Swedish House Mafia. Donc, à la base, c'était quoi? C'était un producteur suédois de house music et un groupe de DJ qui se sont mis ensemble et qui ont formé la déferlante Swedish House Mafia. Donc, ça, c'était plus dans les années 2012, 2013, 2014. Et ils ont sorti des énormes comme Don't You Worry Child, Save the World. Ils ont été bien sûr nominés au Grammy parce qu'ils ont fait du très très bon. Alors,
un autre groupe de filles suédoises. Icona Pop. Icona Pop, oui. Est-ce que vous avez déjà entendu la chanson I don't care, I love it? Oui, ça c'est Icona Pop. Pourquoi je me souviens de cette chanson aussi, de manière aussi claire? C'est parce que c'était, si vous avez un petit peu suivi Jersey Shore. C'était Jersey Shore. En tout cas, je sais que la chanson I Love It d'Icona Pop a été utilisée dans une émission de télé-réalité américaine. Mais je ne me rappelle plus laquelle. C'était possible que ce soit Jersey Shore. Et donc, c'est comme ça qu'on a connu I Love It, en tout cas que l'Amérique a connu I Love It. Et Icona Pop est donc un groupe énorme. Hein. Donc, encore une fois, c'est un DJ suédoise, un duo pop. Qui ont posé de Aino Jawo et Caroline Hjelt. Ils ont grandi. Elles ont grandi à Stockholm. Et voilà. Et le but de ce groupe, c'est d'écrire la chanson Soman bodeska kuna skrata och grota till samtidigt. De la chanson qui vous fait à la fois rire et pleurer en même temps. Icona Pop vous le propose. Alors, une autre artiste. Ah bah oui, il y a vraiment 85% des artistes sur cette liste qui sont du sexe féminin. Lee Kelly, c'est une artiste que moi j'aime beaucoup parce qu'elle a sorti la chanson I Follow Rivers. Elle a sorti des chansons, c'est très indie, c'est très indépendant, un son très pur, un petit peu électro. Très chouette, hein, Lee Kelly. Enfin, électro parce qu'elle a été remixée. Mais Lee Kelly, c'est ma recommandation en particulier pour cette liste, qui s'appelle en réalité Lee Lee Timothée Zachrickson. Et c'est aussi une actrice. Un film score de spelare. Alors, le groupe The Hives. Ça, c'est... Bah oui, The Hives, ils sont suédois. Ils ont sorti des chansons énormes comme Walk, Idiot, Walk. Si vous souvenez, ça passait tout le temps sur MTV il y a quelques années. C'était vraiment il y a quelques années. C'est plus de 10 ans, en fait. Et donc, c'était un clip où ils étaient dans un local tout blanc. Ils étaient habillés en blanc, noir et blanc. Et ils bougeaient comme ça, bizarrement. Donc ça, c'était Walk, Idiot, Walk de The Hives. Donc un groupe suédois de rock qui sont énormes. Ils viennent de Suède. Ils viennent précisément de Fagersta, Västmanland. Ils ont été créés en 1993. Alors, le dernier groupe, Sana, évidemment un groupe de filles. First Aid Kit. Alors, si vous aimez la country music, vous allez adorer First Aid Kit, qui est un groupe suédois. C'est vraiment très très bon. Ils ont sorti des chansons, des hits, hein, qui sont encore des hits aujourd'hui. Amy Lou, The Lion's Roar. Et donc, The Lion's Roar, c'est le big, big, big album de First Aid Kit. Donc, s'il y avait une recommandation CD à faire dans cette liste, ce serait First Aid Kit. Parce que là, c'est vraiment de la grande, grande qualité pour peu que vous aimiez, évidemment, la chanson country américaine. Puisqu'ils le font vraiment à l'américaine. Hein. Ici, on a de suédois que le nom. Hein. Enfin, que le nom des interprètes et artistes du groupe, bien sûr. Johanna Söderberg. On se doute bien que ça vient pas de Chicago. Clara Söderberg. Et qui ont été nominés au Grammy pour groupe pop de l'année, artiste de l'année, album de l'année. Plein de Grammy pour eux parce que c'est en fait un duo. De mes barres à tout. Yeah. Et voilà, c'est tout, ça termine cette liste. Il y a encore plein d'autres artistes suédois. On a ici cité des artistes qui passent à la radio actuellement, sauf Avicii qui passe pas à la radio. Et vivons STCNU! Hey do! Hey do! Merci de nous suivre et à très bientôt! Hey do!